au Seigneur, nous bénissons ces grands dieux merveilleux. Dieu qui nous a protégés, il nous a donné le souffle de vie. Vous savez, beaucoup sont morts, beaucoup sont dans les hôpitaux, mais sa grâce a fait que nous puissions voir encore cet après-midi. Voilà pourquoi on doit être reconnaissant devant ces dieux. S'il faut que je lui dise merci, je le ferai. S'il faut que je dors par terre pour ces dieux, je le ferai. Parce que tout ce que je suis et tout ce que je serai, aujourd'hui ou demain, c'est Dieu qui me les donne. Ceux qui sont morts, ils n'étaient pas mauvais, mais Dieu nous a protégés parce qu'il nous aime. Et parce qu'il a vu que notre mission n'est pas encore finie, nous avons encore une mission. Voilà pourquoi la Bible dit, tu adoreras le Seigneur de toute ta force et de toute ton âme. Voilà pourquoi s'il faut que tu dises Amen, s'il faut que tu acclames, il faut le faire sans murmurer, sans compter pouce, parce que tout ce que tu as appartient à l'Éternel. Est-ce que je peux avoir un Amen bien? Non, j'ai dit un Amen bien. Est-ce que tu peux encourager celui qui est à tes côtés? Encourage ton frère, ta soeur, dis-lui que tu es beau, tu es merveilleux. Vraiment, Dieu t'a bien créé. Oh là là, tu n'arrives pas à féliciter, encourager ton voisin. Oh là là, non, dis non, tu es merveilleux, tu es beau. Non, franchement, je vois comment Dieu t'a créé. Tu es merveilleux. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Vous savez, je bénis le Seigneur, premièrement pour ta présence. Vous savez, il y a beaucoup, à cette heure, ils sont dans leur lit parce qu'il fait froid, ils dorment. Mais toi, dis-moi, tu as montré à Dieu que tu l'aimes. Tu as dit, je ne peux pas rester chez moi et je dois venir adorer ce grand Dieu qui m'a protégé, qui m'a donné le souffle de vie. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi je te félicite. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Non, acclame-toi toi-même. Félicite-toi toi-même d'abord. Dis-toi que tu es vraiment courageuse. Tu aimes le Seigneur. Dieu est merveilleux. Dieu est tellement bon. Il nous a donné encore ce dimanche pendant que beaucoup de nos amis sont morts. Et beaucoup sont dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné cette opportunité d'être encore dans sa présence. Nous voulons réfléchir sur une pensée de la Bible. Vous savez, ce verset, j'ai tant prêché sur ce verset, mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait voir des choses que moi-même, je ne pensais pas. Et je me suis dit, non, Dieu, il est tellement merveilleux et il est mystérieux. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 5. Plutôt chapitre 1, excusez-moi, Luc chapitre 1, le 5e verset, et nous allons prendre jusqu'au 20e verset. Peut-être on va sauter d'autres versets, mais on va prendre à partir du 5e verset. Vous êtes avec moi, j'espère. Luc chapitre 1, verset 5. Je lis dans les noms de Jésus. Je crois que tout le monde a déjà trouvé. Qui n'a pas encore trouvé, qu'il élève un peu sa main. Ok. On attend tout le monde. Nous allons lire ensemble. Luc chapitre 1, le 5e verset. La Bible dit ceci. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. La Bible dit, au temps d'Hérode, il y avait un sacrificateur nommé qui? Zacharie. De la classe d'Abia. Ils ont parlé aussi de sa classe. La classe de Zacharie, c'était la classe d'Abia.
soulignons Abia. Le verset 6 dit ceci. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Tous deux étaient comment? Oh my God. Non, moi ce qui me dépasse, vous avez vos Bibles, vous n'arrivez pas à lire. C'est ce qui me dépasse. Hein. On dit tous deux étaient comment? Juste, irréprochable. Et le verset 7 dit quoi? Il n'avait point d'enfant. Parce que Élisabeth était stérile. On ne dit pas que c'est Zacharie qui était stérile, mais on dit Élisabeth, sa femme, elle était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. L'un et l'autre. Donc ce n'était pas l'histoire d'un vieux papa qui a pris une jeune fille de 14 ans ou de 17 ans, mais la Bible dit tous deux. Ils étaient avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Or, c'est une parenthèse qu'on vient d'ouvrir. Vous êtes des Français quand même. Or, c'est-à-dire, on parlait d'une histoire, mais pour bien expliquer, ils ont ouvert une parenthèse. Or intervient. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe. Il fut appelé par le sort. C'est-à-dire, lui-même, il ne savait pas que c'est lui qu'on va choisir ou c'est lui qui veut entrer. Ou c'est lui qui va sacrifier. Mais la Bible dit, il était choisi par le sort. C'est-à-dire, il était assis avec des amis, des serviteurs, sacrificateurs. Il ne savait pas que c'était son tour, mais c'était par le sort. C'est-à-dire, subitement dit, Pierrot t'a choisi. Je n'étais pas préparé. Des fois, on nous dit, je viens directement dire à frère Paul Echa, c'est toi qui vas chanter. Il me dira, non, papa, il fallait me prévenir. J'allais me préparer, choisir une chanson que je vais chanter. Mais comme ça, je ne sais pas qu'est-ce que je vais chanter. Et la première des choses, il dira, bon, comprenez-moi, je n'ai pas préparé ça. Qu'est-ce que je vais chanter? Parce qu'il y a beaucoup de chansons qui défilent dans ma tête. Je n'étais pas préparé. Si j'étais préparé, j'allais déjà choisir de ma maison. Et quand on va m'appeler directement, j'allais chanter. Mais cet homme, il était choisi. Comment? Par le sort. C'est toi qui vas entrer. Non. Vraiment, c'est merveilleux ce verset. Il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, je vais demander aux amis, frères et sœurs, excellents, excellentes enfants de Dieu, qui ont laissé leur téléphone ouvert, d'éteindre ça. À l'église, on ne laisse pas les téléphones ouverts. À l'église, on ne mange pas les chewing-gums. Et à l'église, on ne parle pas pendant qu'on prêche la parole. À l'église, on ne demande pas l'offrande chez son ami. Ça se prépare à la maison. À l'église, on ne fait pas des allers-retours à toilette. À l'église, on ne se lève pas pour perturber l'ordre des autres. À l'église, on doit être civilisé, modèle, bien éduqué, parce que je suis dans la maison de l'Éternel. Dis à ton voisin, à l'église, ça se passe comme ça. Gloire à Dieu. La Bible dit,
Il fut appelé par les sorts d'après la règle du sacerdoce. En entrant dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, toute la multitude du peuple était dehors en prière. Le peuple n'était pas là pour parler, mais le peuple était où? En prière. L'attitude d'un vrai chrétien. Un chrétien doit avoir une vie de prière intense. Ce n'est pas seulement dans la maison, même si tu es dehors, même si tu es dans les trams, tu es dans les trains, dans ta voiture, partout où tu peux te retrouver, la prière doit être ta vie. La Bible dit, le peuple qui était dehors, ils étaient où? En prière. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut dire, on ferme cette porte, mais on peut rester dehors pour prier. Parce que ce n'est pas seulement ici. Le monsieur qui avait fait cette salle, et il n'avait pas fait ça dans l'intention que l'église soit ici. Peut-être qu'il avait fait ça dans l'intention des magasins. Peut-être dans l'intention d'ouvrir une boîte. Mais nous, les chrétiens, on a pris ça, on a transformé ces lieux à une église. Donc, comme on peut transformer dehors à une église. Et Jacob, il avait transformé des heures à la maison de l'Éternel, à une porte du ciel. C'est-à-dire, partout où je me retrouve, je peux changer l'atmosphère de ces lieux parce que j'ai un Jésus. Un chrétien doit influencer, impacter son environnement. Si tu es chrétien, tu n'impactes pas ton environnement, sache-le très bien, tu n'es pas encore chrétien. Un vrai chrétien doit impacter. Dis à ton voisin, tu dois impacter ton environnement. Regarde comment tu dis, tu n'impactes pas ton environnement. Ah, dis avec autorité, dis avec assurance, tu dois impacter ton environnement. Le peuple était dehors en prière. On se dit ceci. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'éteint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'emparait de lui. La personne qui offrait le parfum, quand cette personne a vu l'ange, et cette personne a eu quoi? Des frayeurs, il a commencé à avoir peur. Comme je dis, c'est facile de chasser les démons. Quand on dit chasser les démons, c'est facile de dire au nom de Jésus, je chasse les démons. Mais devant juste un rat, tu fuis même les chats. Tu n'arrives pas à supporter un chat. Mais devant un démon alors, même des cafards de ta maison, tu fouilles un cafard. Et à combien plus forte raison, maintenant un démon. Tu dis seulement au nom de Jésus, un démon se lève devant toi. Tu ouvres les yeux, tu vois le démon. Tu sais de quelle manière tu vas fuir cette salle. Tu vas courir oubliant que c'est toi qui étais la première personne à chasser le démon. Et cet homme qui était au service, quand tu l'as vu, l'ange du Seigneur, et il a eu peur. Et l'ange dira à Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. La prière que nous faisons, Dieu n'est pas un sourd. Dieu attend nos prières. Donc Zacharie et sa femme, ils priaient que Dieu leur donne quoi? Un enfant. Parce que l'ange, il va commencer à dire, ta prière a fait quoi? Exaucé. Donc c'est-à-dire, Zacharie priait, demandait l'enfant, et Dieu dit, ta prière a été exaucée. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas sourd. Et Dieu est en train d'écouter toutes les requêtes que tu es en train d'adresser devant lui. Et c'est Dieu-là, il te dit, ta prière était exaucée. Je pensais que tu allais dire un amen bien. Non, un amen gentil. Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront à sa naissance. Je prends rapidement le verset 18 pour aller vite. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux
et ma femme est avancée en âge. Ange, tu viens me donner la prophétie aujourd'hui. Ange, est-ce que tu as réfléchi avant de me dire ce que tu es en train de me dire? Écoutez, comment arriverai-je? Moi, je suis vieux. Mais j'avais 18 ans à l'église, 20 ans à l'église. Pourquoi Dieu ne t'a pas envoyé à cet âge-là pour que tu me dises, aujourd'hui je suis vieux, tu crois que ta petite prophétie va s'accomplir? Je suis vieux, peut-être tu oublies, regarde-moi bien, est-ce que tu m'as vu? Je ne suis pas un jeune, mais je suis vieux, condamné par la science, condamné à médecine, j'ai atteint déjà l'âge de ménopause, je ne peux pas encore avoir des sentiments pour donner l'enfant à ma femme. Ma femme, elle est avancée en âge. Ange, peut-être tu ne réfléchis pas. Hein? Donc, Zacharie croyait que l'ange ne regardait pas bien. Ou Zacharie croyait que Dieu oubliait qu'il était vieux. Des fois, il nous arrive des fois à croire que la prophétie ment parce que le temps est déjà avancé. Peut-être je ne crois pas moi-même. J'ai dit, écoutez, le temps que Dieu allait me bénir, c'est déjà passé. C'est aujourd'hui que le Seigneur me bénira. Non, je suis déjà vieux. Ma femme est avancée en âge. L'ange, regardez-moi bien. Je suis vieux. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu te connaît tel que tu es. Peut-être tu crois que Dieu ne te connaît pas, mais Dieu te connaît tel que tu es. Zacharie dit, je suis vieux et ma femme, elle est déjà avancée en âge. Non, j'aime ça. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Et l'ange, il a fait quoi? Il s'identifie maintenant. Il dit, Zacharie, moi que tu vois ici, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à l'heure. Tu n'as pas crié à mes paroles, mais mes paroles vont s'accomplir, pas dans ton temps, mais les paroles s'accompliront à leur temps. C'est-à-dire, la personne qui donne la prophétie, c'est lui qui gère le temps. Ce n'est pas la personne qui reçoit la prophétie, ce n'est pas elle qui gère le temps. Mais celui qui gère le temps, c'est celui qui donne la prophétie. Voilà pourquoi Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire, quand Dieu parle, Dieu lui-même sait le temps. Car il est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas moi, j'ai toujours confiance que Dieu m'avait parlé. J'attends, Habakkuk dit, même si ça tarde, j'attends. Car je sais, celui qui m'avait parlé, c'est lui qui gère les temps et les circonstances. Dis à ton prochain, c'est Dieu qui gère les temps et les circonstances. Un ange du Seigneur va maudire un sacrificateur devant l'autel. Chose bizarre. L'homme qui offrait les parfums devant Dieu, il ne croyait pas au miracle. N'est-ce pas parce que je prêche, je crois au miracle? Non. N'est-ce pas parce que je suis un prédicateur, je crois que l'impossible peut devenir possible? Non! Il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ces gens, ils ont déjà perdu l'espoir. Entre guillemets, elle-même s'est dit, ma situation ne changera pas. Tu peux donner la prophétie, cette personne est devenue anti-prophétie. Tu parles pour parler, quand cette personne va sortir, dire, t'as là, béni, n'écoute à l'obé, kogisha maté. Osborne, toujours à Yara Salaré, Koksama, Karaïe.
Pourquoi? Parce que Ayakane à l'église, c'est-à-dire il vient seulement à l'église pour le ciel, mais pour les miracles, il ne croit pas. Zacharie, chose bizarre. Tout le peuple attendait Zacharie. C'est lui qui offrait les parfums devant Dieu. Dieu a exaucé ses prières, mais Zacharie reniait la puissance de l'Éternel. Je voulais dire à quelqu'un, peut-être tu es là, tu ne crois pas au miracle. Laissez-moi te dire, ce que la médecine ne peut pas te donner, Dieu est capable de le faire. Ce que ton père, ta mère ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a ressuscité Lazare. Quand bien même les gens disaient, Lazare, il sent déjà, mais lui, il a dit, Lazare sort, même les morts qui étaient décomposés, il s'est composé ce jour-là parce que la parole de l'Éternel est plus forte. Je voulais dire à quelqu'un, si tu crois aujourd'hui, le miracle est positif dans ta vie. Tu dis Amen, reçois les miracles. Que celui qui dit Amen plus fort, que Dieu le visite. Zacharie à l'église, devant Dieu, renier la foi, renier le miracle. Zacharie, pour elle, je comprends, parce qu'ils ont dit Zacharie était juste, sa femme aussi était juste, observant la loi de Dieu. C'est-à-dire pour elle, nous devons rester attachés à l'Éternel malgré nos situations. On va seulement servir le Seigneur, on attend le royaume des cieux. Je ne sers pas seulement pour le royaume. Je sais que le Dieu que je sers, c'est un Dieu de miracles. La Bible dit rien n'est impossible à lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Même aux dernières minutes, il peut faire quelque chose. C'est que je sais, je sais, je vivrai les miracles malgré le temps, malgré la situation. Je crois au fond de moi, Dieu est grand, Dieu est puissant, rien n'est impossible à lui. Il est capable, là où les médecins ont fait des diagnostics, mais ce Dieu-là, il peut changer. Là où on m'avait coupé des trompes, Dieu peut remplacer des trompes. Là où on avait enlevé ma trice, Dieu peut remplacer ma trice. Là où on m'avait dit tu es signature, Dieu peut me guérir. Là où on avait dit que tu as la maladie de tuberculose, Dieu peut te guérir. L'impossible chez Dieu n'existe pas. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, reçois les miracles. Zacharie reniait les miracles. L'ange dit, écoutez, je suis Gabriel. Moi, je suis Gabriel. Je me tiens à côté du Seigneur. Je te dis aujourd'hui, tu deviendras muet. Non, quelle impolitesse. Un ange maudit et sacrificateur. Une chose qui ne peut pas se faire. Mais ce jour-là, ange permis de maudire un sacrificateur, de lui dire, tu deviendras muet. Et Dieu a accepté la parole de l'ange. Pourquoi? Dieu a vu Zacharie tout à sa grandeur. Je voulais dire à quelqu'un, tes ennemis vont te servir quand tu ne crois pas au miracle, quand tu ne crois pas à ton Dieu. Les sorciers vont te bouffer. Crois, même si tu ne pries pas. Tu es obligé de prier. Tu dois croire que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Même si les sorciers de ma famille, que ma tante soit un grand sorcier, que mes ennemis se lèvent, que l'adversaire se lève, je sais une chose, j'ai un Dieu. Oh, j'aime David. David est Dieu. 10 000 viendront à ma gauche, 1 000 à ma droite. Ils feront passer de chemin. Pourquoi? David avait la foi avec son Dieu. La personne qui a la foi à son Dieu, il n'a ni peur de vent ni de tempête. Il regarde le ciel parce que je sais l'impossible devient possible. Car avec Dieu, nous ferons des espoirs. L'Éternel Dieu écrase les ennemis. Je veux dire à quelqu'un, si tu crois, le miracle est possible. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Car Jésus-Christ qui a opéré avec Pierre, c'est le même Jésus que tu adores. Car Jésus-Christ qui a opéré avec Tabitha, c'est le même Jésus que tu adores. Si tu crois que c'est Dieu peut faire quelque chose, dis plus fort que je crois. Regardez-moi ça. Un ange maudit est sacrificateur. Or, nous sommes les fils de Dieu. Un ange a été créé par le souffle. Mais nous, Dieu nous a créés par son image. La personne créée par l'image de Dieu a été maudite par un ange. Lokolo lingaka kondi mate. Zela mukole ko baluki la yo. Et loko ko bebi sweza kaka ko sanga kondima. L'ange dit, tu le verras, mais toi, à partir d'aujourd'hui, tu deviens qui? Mais ouais.
Dieu a accepté ce que l'ange a dit. Zacharie devient qui? Mais oui. Quand il sortit, la Bible dit, il ne put leur parler. Et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes. Obima na munoko no bien. Okomisiko yona maboko. Nyonso na nini kondimate. Bino bato bondimate. Kebo okoma opia basine. Ololo ba okoma na nini na basine. Il resta miwe. Lorsque les jours de service fut écoulé, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Enceinte, il y a un point. Vous ne voyez pas, il y a le point qui est là. Le verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant combien? 10 ans. J'aime le verset 25. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Tout ce que je n'ai pas à voir aujourd'hui, je vais rendre gloire à qui? À Dieu. C'est la grâce que l'Éternel m'a faite. Bien-aimé, même si Dieu te donne l'argent, même si Dieu fait quelque chose dans ta vie, ne te glorifie pas. Donne la gloire à qui? À Dieu. Élisabeth dit, c'est la grâce que l'Éternel a fait quoi? M'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter, Nzambaye ko picola, cette femme, non. Dieu a ôté mon opprobre parmi les hommes. Ce qui faisait ma honte, dans notre version dit, Dieu a enlevé ce qui faisait ma honte. Suivez-moi, quand je réfléchis sur ce verset, et il y a beaucoup de pensées qui me défilaient sur la tête, parce que Dieu ne cessait pas de m'expliquer le mystère qui s'est caché dans ces versets. D'abord, quand on parle de Zacharie, ils ont dit que Zacharie, il était de la classe d'Abia. Abia n'était pas un lévite. Or, les gens qui étaient destinés pour le service sacerdotal, c'était des lévites. Ce n'était pas donné à n'importe quelle classe. Quand on parle de Abia, Abia, c'est le fils que Roboam, c'est-à-dire le fils de Roboam. Roboam, il était le fils de Salomon. Et c'est Roboam qui avait engendré Abia. Donc, je peux dire, Abia, il était de la famille de Juda. Pourquoi? Parce qu'ils étaient destinés pour la royauté. Mais chose étrange, et on me dit que Zacharie, il était de la classe d'Abia. Et sa femme, elle était de la famille de Lévite. C'est-à-dire, c'est sa femme qui était dans la famille des sacrificateurs. Lui, il était dans la famille du roi. Mais celui qui était dans la famille du roi, on vient le trouver dans le service sacerdotal. Quand Dieu fait le choix, peut-être Dieu ne regarde pas la famille de quelqu'un, mais Dieu voit la disponibilité. Et il va choisir Zacharie, qui était de la famille d'Abia. La Bible dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, et Zacharie s'acquittait de ses fonctions. Vous êtes des Français, non? On dit pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Ça veut dire quoi? Quand on dit pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions. Pendant qu'il s'acquittait, pendant qu'il... Frère Paul a dit, exerçait. Maïvon Abi, Kazo Kene, qui encore finit son travail, qui encore, pendant qu'il s'acquittait. Libéré,
Non, vaut mieux essayer quand même. Pendant qu'il s'est quitté, il s'est quitté de ses fonctions. Pendant qu'il s'est quitté de ses fonctions. Pendant qu'il exerçait, parce qu'il faut faire attention, hein, les gens se trompent, s'acquitter veut dire à long way. Donc, pendant qu'il était dans l'exercice de son travail, bon, Bobé, tu as fait un problème à bord. Agis, 8 sur 10. Pendant qu'il s'est quitté de ses fonctions, la Bible dit, on vient maintenant le choisir, partira au sort. C'est-à-dire c'est quelque chose que lui-même, il ne pensait pas que c'était lui qui va entrer. Si la personne sait que c'est lui, la personne doit se préparer à conséquence. Il y a des gens qui prient seulement quand on dit que c'est toi qui vas prêcher. Il y a des gens qui lisent la Bible seulement si on les dit que c'est toi qui vas prêcher. Si on ne les dit pas que c'est toi qui vas prêcher, ils ne lisent pas la Bible. Il y a des gens qui font des retraites si on dit que vous aurez un concert. Il y a des gens qui disent non, tu vas chanter quand tu es individuel. Là, ils vont commencer à regarder comment on fait des modulations, des octaves. Mais quand on ne les choisit pas, ils ne font rien. On ne peut pas faire l'entraînement parce que on m'avait choisi. Mais je dois commencer à m'entraîner parce que je ne sais pas la surprise sera comment. Zacharie, on vient lui choisir. On dit, c'est toi. Et Zacharie va entrer. Je me souviens encore un jour, c'était comme ça pour la vie d'Obed-Edom de Gad. C'est-à-dire, ce monsieur était autour du roi. Quand le roi a récupéré l'arche chez le Philistin, la Bible dit, Ouzé mort sur le chemin. Et directement, David, il va choisir qui va prendre l'arche. C'est-à-dire, Obed dans sa pensée, il ne savait pas, comme nous marchons, aujourd'hui l'arche va aller chez moi. Même lui, même les gens qui étaient là, destination c'était chez David, chez les rois. Donc, lui, il ne savait pas. Mais quand la mort a frappé Uzza, directement, et par sort, on vient dire Obed, arche, on a un endroit où parce que tu n'as pas le droit de dire non, tu es obligé de faire quoi? De prendre. Des fois, il y a des choses qui nous paraissent impossibles. Dans la vie, il y a des difficultés. C'est-à-dire, Zacharie et sa femme traverser des étapes ou des moments de difficulté. Et leur difficulté a changé. Et les difficultés de Zacharie deviennent impossibles. Parce qu'on peut dire difficulté quand tu l'avais 22 ans. On dit non, je traverse des moments très difficiles parce que depuis que je me suis marié, je n'ai pas encore eu des enfants. Ça, on comprend. On dirait que non, patiente-toi, tu as encore 22 ans. Ça viendra, il faut toujours prier. Dieu fidèle, il vous donnera. 30 ans, pareil. Mais arriver à 50 ans, donc ce n'est pas encore des difficultés, mais ça devient comment? Impossible. C'est-à-dire, Zacharie traversait des moments impossible de sa vie. Et Zacharie, je ne crois pas que Zacharie pouvait encore prier pour demander Dieu enfant. Pourquoi? Parce que lui-même, il savait que j'étais déjà vieux. Je voulais dire à quelqu'un, des fois Dieu nous répond dans des prières qu'on a oubliées,
dans des choses qu'on ne prie plus. J'ai prié pour ça, j'ai demandé, ça ne vient pas. J'ai demandé ma carte de séjour, rejet au frère, rejet commission de recours, reverti rejet. J'ai dit, je ne peux pas prier pour ça, j'attends seulement. Peut-être il y aura une autre loi. Mais j'attends aussi des lois ne viennent pas. Et j'ai dit, c'est fini, je ne peux pas encore prier. Je cherche les stratégies des hommes. Peut-être avoir une Française ou avoir un Français pour avoir des papiers. Tu es en train de réfléchir à mille fois. Tu te déchires en morceaux pour chercher comment je peux trouver la solution. Mais il n'y a pas de solution. Pendant où que tu as oublié, moi je ne crois pas. Zacharie qui était déjà vieux, sa femme avançait en âge. Elle ne pouvait pas croire que le miracle pouvait encore opérer dans leur vie. Oubliez, oubliez cette prière. Je prie pour le ciel, mais je ne prie pas pour l'enfant. Je prie pour avoir l'argent ou avoir la bonne santé, mais pas pour l'enfant. Voilà pourquoi quand l'ange du Seigneur est venu dire à Zacharie, ta femme va enfanter. Zacharie dit, je suis vieux. C'est que quand la compte s'est offensée, ma prière est en train de se faire. Mais au sommet, là, on a calé. C'est que yondo bosala menza masalanine a bosalate. Je voulais dire à quelqu'un, peut-être tu as oublié des prières que tu avais fait à Mangengenge, tu avais prié en Afrique, tu avais prié ici, tu as fait des prières longtemps, ça remonte à 20 ans, 25 ans, 10 ans, 5 ans, tu as oublié, tu ne pries plus ça, tu dis j'ai fait des retraites, j'ai gêné, j'ai veillé pour ça, mais jusqu'aujourd'hui je ne vois pas les miracles, bon finalement je laisse, la Bible dit à chaque chose suffit sa peine, Dieu est le maître des temps des circonstances, Dieu n'a pas voulu, Zacharie l'ange dit, ta prière a été exaucée. Mais yon no senga rango. O komo bet la li sola ki bou paka non se pour anin. O senga ka. Nzamba yo kaka. Me batu bazala ki ebele. Nzamba zo kabole la moutou na moutou na nini. Na tour na ye. Se ke mou longo Zacharie azala ki mou sika makasi. C'est que bato ali boso il faut pas servir bango pe mutu asima pe basani ba ki paye mais yezala ki musika zo bate ke place oaza ezala ki musika c'est que plus bazo servir ya Jésus une année 2 ans 3 ans azo pousa na maleme maleme ta retourner koki nzamba yeli yabi prière na yosaini et yokami Dieu attend la prière de le premier jour mais Dieu ne réagit pas comme nous. Nous, on croit qu'aussitôt prier, aussitôt avoir la réponse. Non, Dieu a déjà répondu, j'ai exaucé. Mais attends. Ta prière a été exaucée. Zacharie dit à l'ange, non, je suis vieux. Ma femme avance en âge. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu va t'accorder un miracle. Mais ce miracle ne sera pas un miracle des présents, mais un miracle de longtemps. La prière que tu avais faite au Congo, la prière que tu avais faite longtemps oubliée, la prière que tu avais faite, je ne sais pas, en avion, peut-être dans les bateaux, c'est la prière là que Dieu veut maintenant t'accorder la solution. Quand Dieu est venu, Dieu n'a pas donné le miracle dans la prière que Zacharie faisait à l'instant. Mais c'était la prière de longtemps, peut-être quand Zacharie avait 22 ans. Mais Zacharie arrivait à 75 ans, l'ange du Seigneur vient dire à Zacharie, Dieu a exaucé tes prières. Il y a mis sa voisin, Kolembate, Nzambazo Yokayo. Je voulais dire à quelqu'un, la médecine peut te condamner. La famille aussi peut te condamner. Les gens peuvent te dire que le temps de miracle pour toi est déjà passé. Mais laissez-moi te dire, ce que les gens disent, ce n'est pas ce que Dieu dit. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu sonde le cœur et le rein. Ce n'est pas ce que tu dis, ça va se réaliser. Non, c'est ce que Dieu déclare, c'est ce qui va se réaliser. Si Dieu a t'a dit qu'il va faire quelque chose, même si ça tarde, la Bible dit, elle s'accomplira certainement. Notre Dieu, c'est lui qui gère les temps. Salomon a dit, j'ai regardé ici, sur la terre, la course n'est pas donnée aux agiles, ni le pain pour les sages, ni la guerre pour les vaillants, ni pour les savants, mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ta situation, mais tu dois croire, il y a un temps fixé, un temps marqué par Dieu. Quand le temps sera là,
personne, même si les sorciers de ta famille s'élèvent, même si le diable dit, rien n'arrivera. Mais la Bible dit, ce que Dieu a déclaré pire, personne ne peut appeler un pire. Les gens te regardent dans le présent, mais Dieu regarde le passé. C'est le passé que tu avais prié. Dieu le ramène dans le présent pour t'amener dans un bon futur. L'homme vit dans le présent pour un futur. Mais notre Dieu, il est la sienne du jour. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Quand tu étais bébé, il y a des paroles qui étaient parlées pour toi. Dieu va envoyer ses serviteurs. Les serviteurs ont dit, ont prophétisé. Aujourd'hui, on voit comme si la prophétie a commencé à échouer. Mais moi, je sais. Si Dieu dit quelque chose, Dieu lui-même veille sur ça. Un jour, Dieu a envoyé Michel. Michel a prophétisé sur Bethléem. Michel dit, Bethléem est frata. De toi sortira celui qui va gouverner mon peuple. Michel est parti, Michel est mort. D'autres prophètes sont venus. Mais la Bible dit, après des siècles, après des années, la Bible dit, le temps était là. L'ange du Seigneur est envoyé par Dieu. Il va aller vers une femme qui séjournait à Nazareth. Or, Michel avait parlé de Bethléem et Frata. Michel n'avait pas parlé de Nazareth. Michel avait prophétisé pour Bethléem. Mais l'ange oubliait Bethléem pour aller à Nazareth. Dire à une femme qui séjournait à Nazareth, écoutez, Dieu est avec toi. Tu as trouvé grâce. Tu as fait un fils. Non, ce n'était pas à Nazareth, mais c'était à Bethléem. La Bible dit, l'enfant, il sortira à Bethléem. La Bible dit, pendant le premier mois, Marie, elle était toujours à Nazareth. Deuxième mois à Nazareth, le troisième mois à Nazareth. Quatrième mois, elle était à Nazareth. Cinquième mois à Nazareth. Sixième mois à Nazareth. La Bible dit, neuvième mois, Dieu veille sur ses paroles. Il veille sur sa prophétie. Au neuvième mois, Dieu va toucher le cœur de César Auguste, plutôt de Rhodes, pour déclarer le recensement. Hérode va déclarer le recensement. Joseph prend sa femme pour aller se recenser à Bethléem. Pour Joseph et Marie, croyaient que c'était le recensement. Or, pour Dieu, ce n'était pas le recensement, mais c'était la marche vers l'accomplissement de la prophétie. Je voulais dire à quelqu'un, le jour de l'accomplissement de ta prophétie, ce n'est pas ton père qui va décider, ni toi, ni le gouvernement, ni la mairie. L'Éternel lui-même, il prendra tes pieds, il t'amènera vers un terrain destiné, mais les gens destinés, Dieu lui-même, il va te conduire, il te conduira. Voilà pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, c'est-à-dire, je me conduis par moi-même. C'est l'Éternel qui me conduit. Moi-même, je ne sais pas, je ne connais pas les chemins, je ne sais pas discerner le bien et le mal, mais c'est lui qui me conduit. Il s'appelle l'Éternel. Même si ce n'est pas en France, je sais, c'est l'Éternel qui me conduit. Il connaît les lieux, il connaît le pays, il connaît la ville, il connaît les terrains. Ce n'est pas moi, je ne sais rien, mais je sais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Ce jour-là, l'Éternel va prendre le pied de Marie. Il va conduire ça vers la lien de la prophétie. Ce n'était pas à Nazareth, mais c'était à Bethléem. Dieu prendra Marie. La Bible dit, Marie allait pour se recenser. Oh, ce n'était pas le recensement, mais c'était la marche qu'elle blesse sur ma fille. C'était la marche vers l'accomplissement de sa prophétie. Je marche pour aller quelque part. Je marche parce que c'est Dieu qui me conduit. Je ne sais pas. S'il me dit ce n'est pas ici, je me laisse à lui. Je suis qu'un argile. Il est le potier. C'est lui qui me donne la forme. C'est lui qui crée à moi le vouloir et le faire. Je ne me dépends pas de moi-même, mais je dépends de l'Éternel. C'est lui qui me dirige. Il prend mes pieds. Il dit non, tu t'arrêtes pas au nid. Je t'amènerai quelque part. Je dois me laisser. Je suis qu'un argile. C'est lui qui est le potier. Zambé salango olingi. Zambé menama di suko olingi. Yondo yebiko tambusa. Zambé na yebi negi ba monaka. Na zoni sa mutu moko. Na mbulo yon zamba zo tambusa ma kolona yo. Bisika wa destinaki. Oyo kinga biente. Na wabi na mbulo yo. 2013 on dengeza. Eza li suli kamba tata na ngate. Eza pe li kamba mama na ngate. Elongo ba kamba ba pasteur. Elongo ba kamba ba intercesseur. Elongo ba kamba ba protocole. Elongo ba kamba ba mairie. Elongo ba kamba ba prophétie. Elongo ba kamba ba batu. E komi siko li kamba ya. Ya nzambe. Ma kamba e komi linga siko yo. Eza li suli kamba motote. Me e komi ma kamba ya. Ya nzambe. Nzambe pa mbola yo. E ya tu olo. E
ezali sur makambo ya bato te, ezali sur la problème na juge te, ezali ngo ba juge te, ezali commission de recours te, ezali pour offrir te, ezali ngo ba mérite, ezali ngo te bato balobaki na kinzonzi ya famille, ezali makambo balobaki te ko akokufa na mbula boye te, ya tout ezali sur makambo bato te nzamba pa mbolo ekomi likambo ya ya bisa voisin na yo nzamba pa mbolo loba na voisin makambo na yo ekomi makambo ya nzambe. Bien aimé, cette fois-ci, ce n'est pas un homme qui va décider, c'est Dieu qui prendra mes pieds. Il a pris les pieds de Joseph. Dieu lui-même, il savait, il avait donné la prophétie. Joseph, il sera grand. Joseph, il sera élevé. Même lui-même, Joseph, il ne savait pas. On l'a frappé. On lui a chargé de coups. Joseph était chargé de coups. Mais tout ça, c'était le chemin de sa destinée. Il était vendu comme un esclave. Tout ça, c'était le chemin de sa destinée. Il s'est retrouvé dans la prison. Tout ça, c'était le chemin de sa destinée. Vous savez, il n'a pas une destinée sans une direction. Ta direction, je ne sais pas. Tu vas prendre de quelle direction, mais ce que je sais, je ne marche pas moi-même. Ma direction que je prie, je suis avec l'Éternel. C'est Dieu qui a tracé cette direction. Je me laisse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, conduis-moi où tu veux. Mais je sais, si tu me conduis, tu m'amènes dans la destinée. Quelle blessure, c'est toi qui me conduis. Tu m'amènes quelque part. Marie allait pour les recensements. Or, pour Dieu, c'était l'accomplissement de sa prophétie. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu ne vas pas penser, c'est en ce moment-là que le Seigneur va te visiter. Moi, ça comme à Bethléem, ta salinini, a commis. Si ma tamboula banzela n'y a pas sa robot et salate. Mais tant va comme à Bethléem. Tant que nous avons rôde, échangé, tant que nous avons été, 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 nous na rozana na Nazareth te me wapi na Bethléem. Yebi sa voisin, c'est compliqué. Mutu musuba lakela ki na mbujimai, mais accomplissement na mon Champs-Élysées. Ah! C'est que professeur uti wapi? Mbujimai. Mais nzamba banzo ko kisila ngo wapi? Na Champs-Élysées. Mutu musuba zobi laka na poto, mais accomplissement ke bima na ba Congo. Ah, mais makambo nzamba loba ki yango. Kala! Ezali kambute nzamba lobaki, nzambe na yebi mboka, pe nzambe na yebi bisika. Yonde mutozo kanisa, biplase oza, biplase nzamba loba, le musu yango te, me nzamba zo simba makolo na zo sanil, azo mema yango, yebi sa voisin, nzamba zo mema yo. Quand Zacharie pensait avoir un enfant, il n'y avait pas enfant. Mais quand tu ne pensais pas, c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à lui donner. Et puis, il m'a pondu, il m'a dit, 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 il et David allait comme un dépositaire du pain. Arrivé pendant 40 jours, mutako bunda zalate. C'est que nzamba longo la signature na mitema batu pour attirer la David espace. Na Saul bunda trop, Jonathan bunda na mboka mbimba yé moko. Mais jour où on a couru signer Goliath te. Batutu bazo zonga sima pendant 40 jours. David est venu. Mwana mapa. Ayaki otika mapa. Mwana bitinda. Keba. Yomto mwana angana miswa bitinda. Me oyebite. Kena zalaka nani. Yola yane yo. Bo ozo pesi mapa zonga. Yo zo zongi zango yebinga. Otala kanga moye binga te. Tu ne me connais pas. J'ai suivi Obama rappeler François Hollande quand tu vendais ici au McDo. Qui pouvait croire que tu un jour tu seras président? Toi tu voyais un vendeur de McDo, mais tu ne savais pas que c'est le président de la France. Vous savez, il y a des choses qui nous échappent. Dieu n'aime pas qu'on comprenne tout.
plus on va tout comprendre. Dieu ne sera pas Dieu. Il y a des choses qu'on ne va pas comprendre pour que l'Éternel reste à sa place. Et Zacharie s'échappait lui-même de sa prière, oublié qu'il avait prié pour ça. C'est-à-dire la prière que j'ai fait longtemps oublier, mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'est pas injuste. Et la Bible dit, Zacharie, comme il avait douté, et il est devenu muet. Je voulais dire à quelqu'un, 2013, ce n'est pas l'année des doutes. Je dois croire que l'impossible deviendra possible. Même si ma situation se complique, c'est la situation qui se complique, mais Dieu ne se complique hein, jamais. C'est ma situation qui se complique, mais ma situation n'est pas plus grande que mon Dieu. Je sais, la Bible dit, Dieu, il est le réparateur de brèches. Il restaure même des anciens sentiers. Et les chemins qu'on a oubliés, mais Dieu restaure ça. L'ange dit, comme tu as douté, tu deviendras muet. Excusez-moi. Je n'attends pas que l'ange me parle mal, mais je crois au fond de moi. Celui qui a acheté l'avion aujourd'hui, il est comme moi. Ce n'est pas un Dieu, mais c'est un homme comme moi. Il avait crié à sa destinée. Moi aussi, je crois. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Je vis, je ne peux pas désespérer. Même si je dors au salon, je sais. La personne qui vous prêche, il a dormi au salon aussi. Je connais l'histoire des salons. Je ne suis pas comme toi. Tu es vendre des témoignages. Si vous voulez voir des inventaires, ils sont beaucoup ici. Souvent, nous étions. Quand nous étions, souvent ça commence. Moi, j'habitais mon campagne. Mais tu dis quoi hein? Même si tu dis tu habitais mon campagne, ça change quoi hein? Moi, j'étais à Gombe. C'est ça combo. Attends la fin de ma loueka. Et ça, problème était. Nous autres, on te fait dans ma loueka. Mais elle a quand même la chance de lycée. C'est que, quand nous autres, là, la rana ma loueka. Mais Babila, quand on a la chance de lycée. Na lettre à la gomme. Mais ma colonne, la lettre à Jimmy Weston. C'est que, nous sommes dans nous autres. Mais Bilaké, ça, Bissika, Moussousou. Na la la place à Bilaka, mais nous autres, Kendeti, Bissika, Bilaka, et Salinine. Et Sali. Non, Dieu parfois aime des gens, un qui vient de nulle part. Ce n'est pas la peine que tu effondres. Tu discutes avec quelqu'un. Oh, c'est ton songi na bakim. Ton song a tête aux arbres. Yo song a me biso ton sanini, ton zao. Ton reparler sous l'obité, mais ton lobé là, l'élo. Ma kamba lobi c'est salinine. Et les qui? Attends la gota qui? Poto na train. Attends la qui na bateau. Attends la qui on dirait un goulou. Attends la qui nini. Et ça sous les kamba goulou te. Mais biso nos ton sanini, ton komi. Non, l'ancien Paul est déjà disparu, mais c'est une nouvelle Paul qui est née. Je ne suis pas l'ancien, Nazamoto Yasika, car celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire, le vieil homme est déjà parti, mais maintenant je suis revêtu un homme nouveau. Ce n'est pas la personne qui dormait au salon, mais je suis une personne qui dort dans un grand lit. Je suis une personne qui ne mange pas que des matins. Mais je suis devenu la personne qui mange des entrecôtes, des caviar. Je ne suis pas seulement la personne qui mange n'importe quoi. J'ai déjà changé. Pourquoi tu me regardes?
dans l'œil du passé. Ne me regarde pas dans mon passé, mais regarde-moi dans mon présent pour aller dans un bon futur. Je voulais dire à quelqu'un, j'interdis les gens de te rappeler ton passé. Le passé est déjà passé avec ses œuvres et nous vivons dans le présent pour avoir un bon futur. Je t'annonce la bonne nouvelle. Dieu réserve une surprise pour toi. Tu ne seras pas l'ancien Zacharie que tout le monde critiquait stérile, mais Dieu a changé les données. Ce jour-là, le vieux est devenu fécond. Oubliez que Dieu, il peut changer les données de l'homme. Et Dieu a changé, Dieu a réparé. Il dit, j'ai compris que ta femme, c'est une stérile. Mais moi-même, je sais comment je vais faire des choses. Je vais réparer. Oh my God. Je m'étonne aux gens qui ont des confiances à leur docteur. Je m'étonne aux gens qui croient que la famille peut apporter quelque chose. Je m'étonne aux gens qui croient que c'est le gouvernement qui bénit. Mais moi je sais, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Tikanzamba tombo lombula oyo olobia mena bien matali kolo. Ce qui m'intéresse dans ce verset, la Bible dit cette femme devient enceinte. Elle se cacha. Pendant combien de mois? 5 mois. Ton problème, tu ne sais pas te cacher. Cette femme, elle se cacha. Tu ne gardes pas tes secrets. Tu ne sais pas te cacher. Tu es exposé. La femme, elle se cacha 5 mois. Moi, non, je n'ai pas de coco. Je n'ai pas de coco. Tu ne peux pas avoir de grandes choses si tu ne sais pas te cacher. Même les gens qui ont régné. David, il s'est caché. Moïse, il s'est caché pour se révéler. Même Jésus, Dieu a dit, il faut cacher l'enfant. Jésus s'est caché. Mais toi, ton problème, tu ne sais pas te cacher. Tu te révèles. Toi, tu crois que plus tu parles de ta vie, tout le monde est content. Et tu crois que plus tu parles de ta vie, tu te fais grand. Non. La grandeur, c'est autre chose. La grandeur, ce n'est pas ce que tu dis. Mais la grandeur, c'est ton esprit. Tu manques de secrets. Il y aura un moment... Je vais aller acheter ma parcelle. Hein? Explique-moi. Toi, tu choisis quoi? Lemba, ma campagne. Non, je vais acheter Kazavou. J'ai 50 000. Je vais aller acheter un 50. Tu ne sais pas que tu es en train d'ouvrir une porte de voleurs. Pas même des voleurs, des sorciers. Ils sont dans aucun des les 5. Si je suis déjà billé dans l'aïe, les 5. Non, ça a 4 jours, na sombi, na seni, na zongi. Ok, les 5 journées, le 5 janvier. En avant, Air France. Bazo so ba renseignement, ça concerne Oyeba. Place aux okoué, la gana aéroport Angile, batine de l'eau, à l'attaque rouge, à l'attaque vert, à zana 50 000. Donc, Air Carozo Matanabis, ba braquer, ba landate, ba seni, ba lande. C'est mon oncle, ce n'est pas ton oncle, mais tu ne te caches pas. Plus on a honnête, tu es comme la solo. Et ben le rôle à ma séki, si mes communes, il y a solo. Bah, mais quand tu es au lingo, nager. Et tu en as l'ingominga. Et ben, bon, on a ma jet, boy. Et ben, ni le rôle à jet. Tu ne sais pas dire non et tu ne sais pas arrêter. N'a qu'on le balance au boité. Je te respecte, tu me respectes. Prochaine fois, ne me parle pas comme ça. Une femme de caractère, une femme qui se respecte est comme ça. Mais, je vais dire, Ngaï, Nazala dessine à mi bali. Surtout ma frère en Christ. Donc, continuez le solo en haut pour ça va bien. Mais, Nabo nanga kaka. Si Ozo s'est révélé, l'obipé, moi non bali pas tigarate. Bon,
Il y a des choses dans la vie, il faut savoir se cacher. Des choses de valeur, on ne les récupère pas dans la facilité. Je n'ai jamais vu un diamant. Frère Pierrot Moutamouchanga, bon, maintenant que j'ai un diamant à Londres, si on a raison, ça, on va être raison, on va être diamant. Donc, on va être raison, Jamais, là où on creuse, et le jamais. On ne peut pas trouver un diamant comme ça. On ne peut pas trouver de l'or comme ça. Des choses précieuses, on les trouve dans la facilité. Mais toi, tu es facile parce que tu n'es pas précieux, précieuse. Donc, les gens te trouvent dans la facilité. Moi, donc, à mon au commis léger, comment peser yo, bah diviser yo, parce que tu ne sais pas te cacher. Et puis ça est, qui léger peut les gâter. Moi-même, je me suis dit, oh, comment ils n'ont pas parlé? Parce que c'est difficile. Oh Seigneur. Écoutez, c'est qui faisait là. Oh my God. Non, je suis en train de voir. Lève-toi. Élève Dieu. Commence à lever Dieu. Dis seulement merci à Dieu. Dis Seigneur, tu enlèves ce qui fait ma honte. Élève ce Dieu. Élève ce Dieu.